Bon les gars, regardez, qu'est-ce qui arrive? Du lourd. Bon, comment ça va? Ça va mon vieux? Ça va? Ça va ou quoi? Ça va bien toi? Ouais. Vas-y les gars, il est là le bestiau. On a choisi celui-là parce que vous avez voté plus pour le 250 et en plus en vrai j'avais quand même une préférence, donc je suis quand même assez content que vous ayez choisi ça parce qu'il est déjà rehaussé, on va pouvoir faire vraiment une dinguerie quoi. Bon bah voilà, lourd. On va se faire un café ou quoi? On va ouvrir la carte. Bon, ouais, bah mets-le là, limite, ouais. Marche avant, ouais. Impeccable. Allez, c'est parti. Alors, attends, je vais vous poser ça là. Hop. Je vais vous poser là, à côté de moi. Alors. Allez, au café. Impeccable. Bon bah messieurs, à bientôt. À bientôt. Hein, la prochaine, on essaie de se capter pour se faire un barbecue. Ouais, okay. Hein. Et puis. Alors on s'est fait un petit déj, c'est bien. Bah ouais, c'est cool. La dernière fois c'était tartiflette. Chez nous c'était croissant. La prochaine fois on fera un barbecue. Déjeuner, on a fait le repas du midi, on a invité le repas du soir. On pourra partir. Le dîner. Voilà. On va repartir. Bah, ouais. Grave. On s'organisera ça. Bon, bon les gars, allez, bon retour. À bientôt. Ciao les gars. Pour sortir, tu fais comme d'hab, tu sonnes à l'interphone. Quand tu t'en vas là, tu sonnes à l'interphone, on t'ouvre. Bon allez, je vais vous faire le tour du propriétaire, comme on dit. Il est quand même énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, c'est à hauteur de ma tête. Incroyable. Le pare-choc énorme, tant de dire que celui-là t'as les crochets aussi devant qui très hausse, c'est des lames en plus devant, tu vois, c'est vraiment un camion quoi. Donc t'as deux réservoirs devant et derrière, c'est une benne longue. Je suis quand même content, voilà, ça faisait un petit moment que j'avais plus de pick-up. Ouais, un petit des petits trucs, tu vois, là je vais redresser ici, il y a un petit peu de bosse là du coup ça va être le truc qui va se poser en question, c'est on fait quoi dessus. Et oui, bon forcément dedans je pense on va faire du Raptor, mais tu vois j'avais bien kiffé le délire qu'on avait fait avec le F100 qu'on avait fait à Daniel, et au final je me dis, j'aimerais bien taper un délire comme ça, tu vois. Pourquoi pas taper... Oh putain, faut que je change le... Faut que je fasse le plafonnier, tu vois. Bon, il y a un peu de boulot quand même, hein. Il y a la sellerie à faire, tu vois. Parce que là, c'est une petite moquette à la con. Bon, pour l'instant, ça fait le job. Mais on va refaire une sellerie complète. Je pense même le tableau de bord, tu vois. On va repeindre tous ces trucs-là. Là, ça, c'est tout dégueulasse.
Mais il y a les vitres électriques, ça je suis quand même sur le cul. J'avais même pas fait gaffe. T'as les freins électriques aussi pour l'assistance, je sais plus quoi là, il m'a dit. On va le démarrer. Mais ouais, j'aurais bien, je me serais bien fait un délire vintage. Tu vois le délire? Vintage, pourquoi pas un peu rouillé. Incroyable. Tourne bien. Hein, je vais ressortir. Oh. L'échappement, il est là-bas. Il est là, l'échappement. Ouais, je me dis, on pourrait faire un délire là-dessus. On aurait pu même faire un vieux pick-up aux couleurs Milwaukee pour les remercier un petit peu de tout ce qu'ils font pour nous, tu vois. Ça pourrait être stylé. Incroyable. Mais je sais pas, mettez en commentaire les gars. Bon, forcément on va refaire la sellerie. On va sûrement... ouais, tiens, il y a un poste déjà dedans. Ça se trouve, il y a la sono qui marche. On va refaire la sellerie, 2-3 conneries. Et puis... puis voilà, hein. Je pense que... En plus, c'est un vrai 4x4, les gars. C'est pas un 4-2, donc c'est vraiment... C'est... Autant mon F100, c'était un 4-2, donc en propulsion. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Mais là, en 4x4, il est vraiment incroyable. Donc on va aller faire un petit tour. Et puis après il va falloir que je réfléchisse, je vais peut-être mettre mes plaques déjà. Et après il va falloir réfléchir effectivement ce que l'on fait en custom dessus. Donc mettez les amis en commentaire, donnez vos idées. Est-ce qu'on lui fait pas un délire rose? Non, j'aurais bien tapé un délire, tu sais, vieux pick-up old school, ouais, pas rats, mais tu vois, genre, tu sais, comme si c'était un camion d'entreprise, tu sais, à l'ancienne. Tu vois, mais on pourrait le faire couleur Milwaukee, tu vois, pour faire un truc stylé, mais à l'ancienne, tu vois, genre avec un vieux Milwaukee marqué sur le côté, tu vois, il est vénère. Hein. On pourrait faire un plancher bois ou je sais pas, comme j'avais fait un peu dans le F100. Il y a la télécommande qui est dedans, mais il m'a dit faut la changer, elle est sucée. Mais par contre, ça fonctionne. Ça sent le V8. Bah ouais. Je vais racheter des phares parce que ça vaut que dalle. Et puis celui-là, il est un ouais, peu. Les phares en monobloc là. Ouais, ouais. Ça vaut que dalle sur Rocoto là. Je vais racheter, je vais faire je vais commander quelques trucs, peut-être les bougies, 2-3 conneries. Et puis après, bon, on a quand même du taf de carrosserie, tu vois, il y a des petites bosses, donc ça sert à rien. On va voir, je pense au pire, je vais même pas me faire chier, je pense que je vais demander à Charlie, mon pote Charlie Boss, qui est des bosseleurs, qui va venir nous débosseler, je pense, et après on fera nous, quand on fera la peinture. Hein. Mais j'ai vraiment, tu vois, j'ai pas forcément envie de faire du Raptor là-dessus. Ça peut être stylé aussi, hein, gros grain de bâtard, comme moi j'avais fait sur mon F100. Mais je sais pas, en ce moment, vu qu'on a la Porsche qui est déjà en Raptor, le VM, je me dis pourquoi pas y faire un. C'était vraiment ce qui me manquait, c'était le pick-up quoi. Old school, tu vois. Peut-être mettre un arceau, je sais pas. Avec des phares, tu sais. Mec, je suis en train d'y penser. Je te jure, des gros. Ouais, ouais. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est. Ce qui leur donne un côté bien vénère, c'est la casquette ici là. Ouais, ouais, la casquette avec les loupiottes sur le dessus là. Donc je pense que ça on va commander. Casquette, feu de gabarit. Peut-être on fera un arceau. Si Oldies Custom est chaud pour le faire, on lui fera faire. On va voir. Il sort juste en dessous là, au milieu là. Ah ouais. Je sais pas si c'est d'origine. Hein. Ah ouais, non, il y a eu un silencieux. Ouais, je pense. Enfin une cartouche. Ouais. Mais il y a rehaussé là. Ouais, bah ouais, il y a un qui est très haut. C'est pour ça que. En vrai. Vous avez été beaucoup à voter le F100 aussi. Ça a été vraiment serré. Hein. Mais je vais vomir carrément en filmant. Mais en vrai, celui-là, il y en a pas mal qui l'ont dit. Ça te représente plus parce que ça fait vraiment le truc rehaussé, un peu texan. On pourrait faire un gros drapeau Texas, tu vois. Ce serait énorme. Ah, je sais pas. Mettez en commentaire, les gars, si ça serait vous, qu'est-ce que vous feriez dessus, tu vois. En sachant quand même. Que l'idée c'est de me donner en se basant que c'est le mien, tu vois. Parce que tu vois, si t'aimes le rose et que tu dis ouais, fais-y du rose, t'as compris, ça me plaira pas forcément. Mais la belle moquette, la belle moquette. Get ça. Oh.
Ouais, faut faire un plafonnier. Là, par contre, je vais faire un plafonnier avec de la moquette pour mettre des patchs. Et je vais blinder de patchs. J'allais dire, mec. Bah ouais. Bah non, tu mets le truc. Non, je mets de la moquette. Là, mec, mon mur de patch, c'est de la moquette. Bah oui. Il y en a plein qui nous disent, ouais, t'as acheté où ton mur de patch? De la moquette. Bah ouais. Faut acheter, tu vois, pareil, je pense qu'on va acheter une moquette pour le sol. Parce qu'elle est sucée, celle-là. Ah, comme on avait mis dans, bah ouais, dans le F100. Ensuite, Daniel. Ça vaut que dalle, mec. De toute façon, sur Rocoto, à mon avis, je vais commander 300 balles de pièces et j'aurai toutes les pièces. Hein. Bon. T'as vu, elle compte tour pour mettre le NOS. Le diesel. Bah ouais, il est stylé. Hein. Donc là, il y a une question que je me pose, par contre, c'est peut-être changer les pneus. Ils sont encore bons, mais ils sont un peu craquelés. Mais c'est pas ceux-là. Et c'est ça qu'il a dit, la galère, c'est que c'est du 16,5. 900 euros les boudins. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a dit, c'est introuvable. Donc, admettons, si les amis, vous êtes dans mes contacts, dans mes abonnés, et que vous avez des pneus mud en 16,5, pas forcément les mêmes, mais des plus gros, ça serait mieux. Bah, ça peut m'intéresser. Il doit faire du bruit en roulant. Un peu, apparemment. Mais voilà, hein. Donc une bonne base, je suis assez content. Donc les gars, si vous avez envie de vous faire un petit kiff, je l'aurais dit encore, hein. Nos amis de L2D sont vraiment très forts. Hein. Vous voyez, on y a été la semaine dernière. J'ai dit bon, écoute, on fait le vote. Si ça le fait, je prends celui-là. Moi, je vais me faire un Silverado. Posé par terre, ouais, ça serait mortel. Et puis bah tu vois, ils nous l'ont livré en 2-2. Et puis bah forcément, les papiers sont en cours. Hein. Mais ça s'est très bien passé avec le G20, ça s'est fait rapido. Donc moi je vais rouler avec mon W Garage en attendant, mais sinon ils te font un WW, c'est valable 4 mois. Et après bah t'as ta plaque qui arrive avec ta carte grise. Mais super, des professionnels en tout cas les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon allez, je vais aller faire un petit tour, je vais vous montrer comment ils roulent. Allez, c'est parti, le pass pour le portail. Ah putain oui, celle-là, et les ceintures sur celui-là. L'habitude dans les vieux pick-up de pas mettre de ceinture. Allez, allons faire un tour avec le monstre. Oh, il est énorme, j'adore. Bon, il y a quelques petits trucs à faire, hein. C'est comme ce qu'il y a de bien avec deux L2D, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un pick-up ou une vieille américaine, nickel, hein. Si vous payez le prix, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez un véhicule comme moi là, tu vois, avec 2-3 bricoles à refaire, il roule nickel, mais il y a quelques bricoles à refaire, bah c'est pas très cher et ça vous permet de le refaire vous-même. Enfin, je trouve que c'est assez cool, quoi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent ça. Donc ça, tu te retrouves des fois avec des pick-up à 15 000, qui a des bricoles à refaire. Alors que si tu l'achètes déjà nickel, bah ça vaut 30. Donc forcément, des fois, tu vois, moi juste la petite peinture. Allez, j'espère qu'on tombe pas en panne. Tu vois, j'ai le klaxon qu'il faut que je remette. Mais bon, on va mettre un klaxon de train forcément. Un Horn Blaster. Il y a 2-3 bricoles, je crois, il y a les clignotants qui déconnent. J'ai plus de. Tu vois. Je sais pas s'il marche, mais ça se trouve. Ah bon. On s'en fout un peu. Via l'américaine, les gars. Oh. Donc c'est le Big Block, les mecs. C'est un 7,5 litres, il me semble, ou 7,2 litres, je sais plus. Je vais peut-être dire des conneries, je vous redirai ça tout à l'heure au pire. C'est le Big Block, c'est le plus gros moteur, c'est le 460, je crois, ou 466, je sais plus. Et en 4x4, 4 roues motrices, c'est assez rare. En plus, il est déjà rehaussé, donc c'était vraiment l'idéal pour moi. Voilà. Il y a un régulateur de vitesse, enfin bon, c'est un truc de dingue. Hein. Je suis quand même. Dites-vous, c'est. Donc j'ai choisi aussi celui-là, pourquoi? Parce que c'est mon année de naissance, il est de 87, les gars, incroyable. Donc je suis assez content. Donc mettez en commentaire, les mecs, ce qu'on fait dessus. Qu'est-ce qu'on fait dessus? Qu'est-ce qu'on fait comme custom? Qu'est-ce qu'on fait comme céleri? Est-ce qu'on fait un truc vraiment texan avec du cuir beige? J'en sais rien, tu vois, de la moulure. Mettez vos idées, les gars, lâchez en commentaire, parce que l'idée, c'est aussi qu'il ressemble à... qui me ressemble à moi. Mais quand on va faire des événements, le but c'est d'après de faire des baptêmes, des trucs comme ça, quoi. Voilà. En tout cas, il se comporte bien, je suis assez content. Direction assistée, elle est très très souple. Ah, il déchire. Voilà.
les gens ils sont surpris car on lui a fait oh. On va lui mettre une petite ligne d'échappement, je pense on va faire des cheminées ou je sais pas, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Et puis voilà, je regarde si le poste il fonctionne. Du coup si ça marche. Ah si ça fonctionne. Allez. Ah, je peux mettre un truc en Bluetooth ou en USB. Impeccable. Le chauffage fonctionne, les phares fonctionnent, le compteur aussi. Que demande le peuple? Il y a deux réservoirs. Ça c'est intéressant parce que du coup tu peux te taper une autonomie de malade. Donc, écoute, il n'y a plus qu'à kiffer maintenant, il est là. Je pense que je vais le refaire quand on aura un peu plus de temps parce qu'en ce moment on a quand même pas mal de taf. Et puis on va attaquer bientôt les travaux du nouveau bâtiment. Voilà. Je suis quand même content. Bon, on retourne au local. Et puis je vous réserve une petite surprise. On va se retrouver direct à Miami, les amis. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Bon, voilà, les amis, j'espère que ce petit pick-up vous a plu. Je suis assez content de mon achat. Donc, on va forcément y faire un truc de bâtard. Hein. On va voir. J'ai réfléchi encore. Mettez, comme je le disais tout à l'heure, mettez en commentaire vos idées. Voilà. Bon, là aujourd'hui, nous sommes, pour ceux qui suivent un petit peu Instagram, nous sommes arrivés, nous sommes à Miami. Je vais vous montrer un petit peu le cadre de vie. Incroyable. Il fait 31 degrés. On est pas mal. Il faut que j'apprenne à regarder où je marche parce que tout à l'heure, juste. J'ai oublié qu'en fait ici il y a des animaux partout, des bêtes, des insectes. J'ai mis le pied tout à l'heure dans une fourmilière, je me suis fait bouffer. Donc on est pas mal ici, hein, on est bien arrivé, il fait beau, il fait chaud. Donc faudra bien suivre les gars, rester connectés. On vous prépare normalement si tout va bien déjà dimanche un premier vlog sur Miami. Donc en fait on est là une petite semaine les gars. Donc on est là pour travailler. Vous verrez pourquoi. On va en profiter pour faire quelques emplettes, quelques achats pour nous. Mais on va voir aussi quelques préparateurs. On va aller voir des mecs qui font du Raptor. On va aller voir des armureries. Donc, on a du business ici à faire. Donc, vous allez voir tout ça au fur et à mesure. Donc, restez connectés. Dimanche, normalement, je vous sors une vidéo. J'espère, si j'arrive à tout faire en temps et en heure. Et vous verrez aussi la semaine prochaine, il y aura une vidéo. On va chez notre ami Bastinelli. Et oui, donc ça va être incroyable. On va faire session de tir, enfin bon, vous verrez. Donc restez connectés les gars, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Mettez un petit commentaire pour le référencement. Et puis si vous avez des idées, des choses que sur Miami, vous avez déjà fait par exemple et que vous pensez que ça peut être intéressant pour nous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou des spots. Là, on va faire justement, en fait, on va faire aussi petite séance photo cet après-midi à Miami Beach. Avec les nouvelles sapes qu'on va sortir donc pour la collection printemps-été. Voilà. Donc les gars, sur ce, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous embrasse. Ciao. J'ai complètement oublié de vous dire aussi, nous avons le gagnant du jeu concours qu'on a lancé sur YouTube. Où il fallait juste être abonné à notre chaîne YouTube et marquer « Je participe » dans les deux dernières publications qu'on avait sorties. Il y en a pas mal qui ont joué. Donc, le gagnant est Flavien. Pour participer, il fallait remplir le petit questionnaire. C'était, il fallait juste mettre son prénom, son numéro de téléphone et son mail. Et marquer « Je participe » sur les deux dernières publications. C'est ce que tu as fait. Donc, on va te contacter directement. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé. C'était un petit jeu concours un petit peu incognito. C'était pour voir les vrais abonnés s'ils allaient jusqu'au bout. Donc on l'a vu, hein, parce que sur, admettons, il y avait 40 000 vues à peu près sur la dernière vidéo qu'on a sortie, les deux dernières. Il y a à peu près, je sais pas, 800 personnes qui ont participé au petit jeu concours. Ça fait toujours plaisir, mais les gars, vous n'êtes pas assez nombreux à écouter et à cliquer sur les liens qu'on vous dit de cliquer, les gars. Pour tous ceux qui ont raté, tant pis. Et puis, bah, Flavien, tu as gagné du coup un week-end à passer avec nous au local. On va faire stand de tir, karting, sûrement barbecue, cigare, enfin bon, ça va être incroyable. Donc tu peux venir avec la personne de ton choix, que ça soit ta meuf ou un de tes potes, voilà. Donc on va te contacter directement par mail ou je vais te faire sûrement un petit SMS là, voilà. Donc sur ce les gars, à dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.